Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors avant de vous parler de notre tuto fond pour la lettre V de notre Kiss abécédaire, je voulais remercier les copinettes qui ont pris des nouvelles en s'inquiétant un peu de mon absence sur YouTube en ce moment. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi cette vidéo est un peu en retard. Voilà, j'ai ma maman de 91 ans qui est tombée, qui a passé toute la nuit par terre dans sa cuisine et nous l'avons trouvée que le lendemain matin. Elle a donc fait un passage aux urgences et où elle n'est pas restée, elle n'a passé qu'une nuit aux urgences parce qu'elle n'avait rien de cassé, heureusement. Mais elle a attrapé le Covid aux urgences, ce qui fait qu'elle a été en détresse respiratoire assez rapidement. Et là, elle est hospitalisée. Donc évidemment, ça me crée beaucoup de soucis, vous vous en doutez. Et j'ai un peu moins le cœur à scraper. Pour l'instant, tout va bien, à part qu'elle nous fait un Covid très, très... très implantée et qu'elle a vraiment elle n'est pas sous respirateur, mais elle a vraiment une détresse respiratoire. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pourquoi je suis un peu moins présente, sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire notre fond pour la lettre V. Alors, on va faire un fond bulle de savon. Voilà, c'est un fond qui est facile à faire, qui vous donne ces petites choses-là. J'aime beaucoup l'effet que ça donne, vous voyez. Ça nous fait un fond vraiment sympathique. Alors, j'ai fait celui-ci-là avec deux couleurs. Celui-ci aussi. Et là, je vais m'amuser à reprendre. Vous voyez, j'ai commencé à reprendre quelques bulles pour les mettre un peu en valeur. Je vais voir comment je vais avancer dans ce travail. Mais là, je vais vous donner la base. Et après, ben, vous ferez ce que vous voulez. Une couleur, deux couleurs, vous reprenez ou pas des bulles dedans, vous les ressoulignez, vous coloriez, vous colorisez. Voilà, vous allez voir, vous allez faire ce qui vous plaît. À partir de moi, vous me faites des bulles de savon. Alors pour cela, vous allez avoir besoin de liquide vaisselle, peu importe la marque. Moi, je n'ai que du liquide vaisselle jaune et je ne sais pas si avec le liquide vaisselle transparent ou jaune, si ça fait une différence au niveau du rendu de la couleur. Je n'en ai aucune idée. Il faudra que, quand je vais avoir fini celui-ci, je vais m'en acheter du transparent ou du blanc et je ferai la différence. Vous allez avoir besoin d'encre ou de peinture acrylique. Celui-ci, je l'ai fait à la peinture acrylique, donc vous voyez que ça fonctionne bien. Et celui-ci, je vais vous le faire avec des encres aquarelles. Voilà. Et puis, vous pouvez prendre toutes les choses comme ça que vous avez, de l'acrylique ou de l'aquarelle. Vous allez avoir besoin de récipients. Alors, je vous conseille de prendre des verres, c'est mieux. Et il faut un peu de hauteur plutôt qu'un récipient bas. Il faut de la hauteur pour que les bulles montent bien. Il va vous falloir une paille, une cuillère à soupe et une fourchette. Donc ça, pas de souci, tout le monde a ça chez soi. En passant, je remercie Claude de m'avoir donné ces deux petits flacons d'aquarelle lors de notre rencontre. Merci, coucou Claude, si tu passes par là. Voilà, alors on est parti. Bon, moi j'ai des petites choses comme ça pour prélever dans mes flacons. Vous voyez, c'est une espèce de petite pipette, mais si vous n'avez pas, vous versez directement dans votre flacon. Donc là, mon bleu est déjà fait. Je vais faire avec vous le rouge. Je prends ma cuillère à soupe et je mets deux cuillères à soupe. Vous voyez, à peu près, hein, de liquide vaisselle. Voilà. On ne gâche rien. Hop, c'est du liquide vaisselle. Je peux y aller avec les doigts, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. Oups, pardon pour le bruit. On va prendre. Là, je vais prendre du rouge puisque ici j'ai du bleu préparé. Et je vais venir mettre. Question dosage, je ne sais pas trop. Vous voyez ce que je mets à peu près. Je vais en mettre deux comme ça. Il faut quand même que les bulles soient bien colorées. Voilà, on mélange.
je ferme avant de faire une catastrophe, n'est-ce pas? On va prendre de l'eau et on va venir mettre 2 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Hop. Crac. Je vais prendre ma petite fourchette et je vais venir bien mélanger. Là, c'est de l'aquarelle, ça se mélange instantanément, on va dire. Si vous prenez de la gouache, ce sera un petit peu plus long à mélanger. Donc là, voilà, hein, on imagine que c'est de la gouache, donc je mélange plus longtemps. Maintenant, on va prendre sa petite paille. Voilà. On va prendre son petit support. Alors, moi j'ai pris ce qu'on appelle du DCP, là, du papier, du cardstock un peu épais. Je vous conseille de le faire avec du papier épais. Par exemple, le papier Canson premier prix n'est pas adapté, parce que c'est un papier qu'on va beaucoup mouiller. Donc il va avoir tendance à trop se ramollir, on va dire. On va en faire deux là. Vous allez voir, j'ai du papier aquarelle de chez Action. Et là, donc, du papier DCP Clairefontaine. Alors, ce que j'ai vu dans les plusieurs tutos, c'est que les filles faisaient leurs bulles et puis passaient leur papier comme ça. Moi, je trouve que ça imprègne beaucoup plus quand on fait les bulles au-dessus de le papier. Donc déjà, vous mettez votre paille dans votre verre et puis vous soufflez, hein, vous faites des bulles. Voilà, jusque là tout le monde sait faire. Et là les filles donc enlèvent leur papier, font comme ça. Moi je trouve que ce n'est pas bien. D'abord, vous voyez, on a le rond du verre qui se met et les bulles ne se font pas bien. Donc on va tourner de l'autre côté. Moi ce que je fais, c'est que vous allez voir certainement le haut de ma tête, je suis désolée, j'espère que je vais être dans le champ. Je souffle. Je fais monter un maximum de bulles à la surface. Et tout en continuant à souffler, je pose mon papier sans qu'il touche le verre. Vous voyez, je suis à un demi centimètre du verre. Mon papier ne repose pas sur le haut du verre et je souffle. Si ça déborde, c'est pas très grave. Et vous voyez, là, les bulles vont se mettre bien sur le papier. Et vous voyez, j'ai des grandes... Je vais percer mes bulles là pour vous montrer. Vous voyez, ça m'a fait des grosses bulles. Donc on continue. On fait comme ça là. Et je vais déplacer mon papier pour remplir tout mon support. Là. Alors, deux choix. Soit vous choisissez d'éclater toutes vos bulles. Soit vous laissez sécher et les bulles vont s'éclater d'elles-mêmes. Donc là, on va changer de couleur. Alors, travaillez sur une surface qui ne craint rien parce que forcément, vous voyez, là, ça a débordé de mon verre. Mais c'est pas grave, hein. Là, c'est de l'aquarelle ou c'est de l'acrylique. Ça n'a pas de grande importance. Là, je vais changer de couleur, mettre deux couleurs. Hop. Vous voyez, déjà, mon papier, il gondole. Oups. Donc, il faut quand même prendre du papier qui peut supporter assez de matière. Là, je vais remettre un peu d'eau parce que j'ai déjà travaillé avec et j'ai moins de... Hop, voilà. Les bulles se font moins puisque j'ai moins d'épaisseur au niveau de la paille. Voilà, mon bleu va moins se voir, forcément. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez laisser sécher votre premier jet. Et si ça ne vous convient pas, à
Alors, regardez, il y a quelque chose de très intéressant là. J'ai des bulles qui se sont formées là. Je vais essayer de voir si je peux... Hop. Non, je n'ai pas pu les rattraper. Elles s'éclatent et ça m'a fait plutôt du caca boudin qu'autre chose. Donc, vous laissez sécher et vous pouvez y revenir. Hein. Ça se garde sans problème pendant plusieurs jours. Hein. Ce n'est jamais que de l'eau, de la peinture... et du liquide vaisselle. On va faire le même essai donc avec le papier aquarelle. Donc je vais prendre le côté granuleux pour voir. Tout votre papier hein. si le rendu vous convient déjà, voilà, vous voyez, je trouve déjà que là mes bulles sont belles. Je vais laisser sécher et puis je reviendrai mettre un petit peu au-dessus. Celui-ci est sec. Allez, on va réessayer d'en refaire un petit coup. Je vais remettre du bleu parce qu'il n'y a pas beaucoup de bleu sur ma feuille. Ça se voit pas très bien, mon bleu est clair, mais je rajoute du bleu. Et voilà, je vais laisser sécher mes petits fonds de kiss là. Et puis je verrai si j'y reviens ou pas. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto de notre lettre V vous aura plu. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à l'échange Kiss pour Noël que Carole a lancé sur le groupe. N'hésitez pas, c'est un petit échange sympa avec sa petite enveloppe déco pour envoyer son petit Kiss de Noël. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.